Bonsoir tout le monde, je suis Asma Amdouni, médecin généraliste marocain. Ce soir, on va parler de la chirurgie émotionnelle encore une fois. Je vais créer toute une série, playlist sur YouTube, qui va traiter le sujet de la chirurgie émotionnelle. Alors avant de démarrer, j'aimerais vous dire que, s'il vous plaît, ne communiquez jamais et ne partagez jamais vos soucis, vos problèmes de santé psychico-mentale ou physique sur les réseaux sociaux, même en retrouvant par exemple un compte professionnel d'un médecin, parce que moi-même j'ai été victime d'usurpation. Il y a beaucoup de gens qui ont été arnaqués par un compte qui utilise mon nom pour profiter de la naïveté des gens et de l'ignorance. Donc on a déjà déposé plainte contre eux, donc s'il vous plaît, je ne communique jamais avec les abonnés et je pense que toute personne, c'est une déduction que j'ai faite après 3 ans de live, je pense que toute personne qui cherche à faire des connaissances sur Internet est une personne malade jusqu'à preuve du contraire, sinon c'est un criminel, ok? Toute personne qui cherche des relations sur Internet au Maroc est une personne qui est malade et qui a besoin de voir un psychiatre, d'accord? Justification simple. 48% des Marocains ont déjà souffert d'une maladie psychico-mentale, tout y confondu. Et puis, je pense que si tu as 40 ans et que tu n'as pas d'amis, que tu cherches encore des amis sur Internet, cela veut dire que tu as raté ta vie réelle, ok? Si tu es incapable d'avoir des amis dans ta vie réelle, c'est-à-dire que tu es malade, ok? Si tu cherches un partenaire sur Internet au Maroc, cela veut dire que tu as échoué à avoir un partenaire dans ta vie réelle, véritable, concrète, ok? Les choses sont bien claires dans ma tête. Après 3 ans de live jour et nuit, et j'ai pu toucher, j'ai pu provoquer les gens. J'avais l'habitude de faire des lives de provocation en arabe marocaine, darija, et je pense que il est temps de se réveiller, il est temps d'admettre avec un esprit sportif que d'admettre sa maladie, d'admettre sa souffrance, d'admettre sa faiblesse. Ok? Alors, bonsoir docteur, bonsoir. Désolé, il ne faut pas généraliser. Oui, vous avez parfaitement raison. Il ne faut jamais généraliser. Donnez-moi votre point de vue et on est là pour discuter. Alors moi, je dis que 100% des gens qui cherchent au Maroc, qui cherchent à voir des connaissances, qui cherchent à connaître d'autres personnes sur les réseaux sociaux ou via les réseaux sociaux, sont soit malades, c'est-à-dire ils doivent pouvoir voir leur psychiatre, soit ce sont des criminels. Alors moi, c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait normal. Alors pourquoi vous avez dit qu'il ne faut pas généraliser? Je vous écoute, monsieur. Hein. Je suis là pour vous, pour discuter tranquillement. Il n'y a pas de souci. J'aime bien le désaccord parce que ça enrichit la discussion. Alors, est-ce que je peux avoir une idée sur votre profession, monsieur Karim? Oui, la grande majorité, si ce n'est la totalité. D'accord. Il y a une autre dame qui a dit la grande majorité. D'accord. On a un troisième avis. Opinion, au point de vue. Alors, monsieur Karim, vous avez dit il ne faut pas généraliser. Je vous dis oui, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec vous. Mais est-ce que je peux avoir une idée? Otolier. J'ai pas bien compris, otolier. C'est la première fois que j'entends ça. Ça veut dire quoi, otolier? J'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer?
effet miroir, trop attaché à la psychiatrie alors que tu n'es que généraliste. Et monsieur Mounir, vous êtes marocain, vous êtes algérien, l'autre fois vous m'avez insulté. À l'hôtellerie, ah d'accord. D'accord, monsieur Karim. Alors monsieur Mounir, le discours ce soir est très 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 sincère, très sérieux. Donc si vous n'aimez pas les Marocains, vous êtes libre, hein. Je ne suis pas un dieu pour vous juger. Mais sinon, vous avez perdu vos cartes. Je ne vais plus répondre à votre question. On n'aime pas les racistes. Docteur, pourquoi tu parles plus arabe comme avant? Parce que c'est très dangereux pour moi. J'ai été menacée. D'accord, très bien. Alors, monsieur Karim, moi, je suis médecin généraliste et j'ai une expérience de 3 ans de life. Okay, c'est-à-dire que je suis arrivée à un stade où je peux généraliser. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est moi qui assume. On va faire un truc très important. C'est-à-dire que moi, c'est une décision que j'ai prise. C'est une technique que j'ai adoptée. C'est un logiciel que j'ai mis, j'ai instauré, j'ai téléchargé dans mon cerveau et qui ne va jamais changer. J'ai des preuves parce que 3 ans, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. J'avais l'habitude de faire 5 lives par jour, imaginez. J'ai fait des lives jusqu'à 7h du matin. J'ai discuté avec les alcooliques, avec tout type, avec les prostituées, avec les homosexuels, avec les hypocrites, avec les pervers narcissiques. Moi, j'ai développé une immunité contre le pervers narcissique, d'accord ? C'est très, très douloureux, c'est très pénible, c'est très fatigant, parce que quand même, ça absorbe beaucoup d'énergie pour avoir une immunité contre le pervers narcissique. C'est pas facile, hein. Et ben, je le dis avec un esprit sportif. D'accord ? Vous, qu'est-ce qu'il a dit ? Un hacker, oui, malade, je ne pense pas. Malade, je ne pense pas. Ah, d'accord. Très bien, donc vous êtes d'accord avec moi sur le fait que sur les réseaux sociaux, on peut tomber sur des gens qui vont nous arnaquer, mais le fait que toute personne qui cherche à faire des... Ahlan. Bye bye. Je m'excuse, c'est une petite princesse. Alors, il y a M. Karim qui est d'accord avec moi sur le fait que il y a quand même un petit danger ou un sérieux danger. C'est-à-dire, on peut tomber sur des gens qui sont des criminels, qui vont nous arnaquer, qui vont profiter de nous, qui vont... Voilà, des criminels. Il faut rappeler les choses telles qu'elles sont. Mais il n'est pas totalement d'accord avec le fait que si tu cherches une relation, une connaissance, une amitié... voilà, une connaissance sur Internet, cela veut dire que tu es automatiquement malade. Très bien, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer sur ce point que M. Karim n'est pas très, très d'accord avec. Je croyais que durant ces moments difficiles, vous porterez volontiers pour soigner les gens. Monsieur Tariq, les misérables, vous n'avez pas de place ici parmi nous. Je vous souhaite tout le bonheur, mais moi j'ai décidé, nous les médecins, on a des boutons, on a comme une télécommande, comme un piano dans notre tête, quand on appuie sur un bouton, c'est terminé. Hein. Alors, moi, je vous supportais, les misérables, je vous supportais avant. Pourquoi? Parce que je faisais une recherche. Mais actuellement, j'ai appuyé sur un bouton. Le bouton que tous les médecins possèdent, c'est ignoré à 100%. Et bon, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la guérison de votre... caractère, de votre culture de misérable, même si je sais que c'est un peu difficile. Mais sinon, monsieur Tariq, je regrette. La dernière version Asma est terminée parce que j'ai terminé ma recherche. Okay, moi j'utilise les gens qui sont nocifs, les gens qui sont mauvais, les gens qui sont méchants. Okay, ben, je parle pas de vous, mais je parle en général. Les gens qui sont méchants avec moi, je les utilise comme si j'ouvre un robinet. Quand on ouvre un robinet, pourquoi? Eh ben, pour se servir de l'eau. Mais quand on n'en a plus besoin, qu'est-ce qu'il faut? Bien sûr, il faut arrêter le truc. D'accord? C'est ainsi qu'on doit normalement agir face à des gens qui sont méchants. Moi, maintenant, j'ai une immunité, je suis fière de ça, c'est pour ça que je ne cesse pas de le répéter. Pourquoi? Pour vous motiver à ne plus avoir peur des gens. On utilise les gens méchants. Un hypocrite, je l'utilise. Je m'en sers. Comment?
Avec les hypocrites, on apprend la galanterie, on apprend la politesse, on apprend les protocoles, on apprend la délicatesse, on apprend à être juste parfait, si vous voulez. Hein. C'est merveilleux quand même. Les hypocrites sont très serviables. Un hypocrite, il connaît toutes les expressions de politesse. Par exemple, dans certaines cérémonies, par exemple chez nous, les Arabes, il faut quand même avoir un certain bagage. Voilà, un certain bagage, une certaine base de données, d'expressions, de politesse qu'on doit utiliser dans certaines cérémonies, dans certaines fêtes religieuses, si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez bien saisi mon idée. Alors, j'ai deux amis à Facebook qui se transforment en amis réels. Nous sommes bien. Alors, il y a M. Hassan qui a dit qu'il a pu avoir ou établir deux relations d'amitié avec deux personnes et tout va bien chez lui. Alors, je vous souhaite tout le bonheur, monsieur. Mais si on ne doit pas généraliser, c'est-à-dire que ce que mon opinion ne doit pas être généralisée, le vôtre également ne doit pas être généralisé. D'accord ? J'ai beaucoup d'estime et de respect pour vous, docteur. Merci, monsieur Karim. Non. Le désaccord, ça ne change pas le respect. Hein. Le désaccord, c'est bien. Ça veut dire que vous avez une personnalité. Ça veut dire que vous avez un cerveau. D'accord ? Il y a toutes sortes de phénomènes humains sur les réseaux sociaux. Arnaqueur, malade, bravo. Menteur. Déjà menteur, il faut 3 lives, 5 lives juste pour expliquer pourquoi les gens ne cessent pas de mentir sur les réseaux sociaux. Alors moi, je partage uniquement ce que j'ai appris. D'accord ? Ce n'est pas un cours de médecine, ce n'est pas une consultation, ce n'est pas une recommandation par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est juste une petite recherche que j'ai fait, que je partage et je m'en sers. Je m'en sers à fond. Parce que quand on fait quelque chose nous-mêmes, homemade, if you want, quand on fait quelque chose avec nos mains, sincèrement, on peut pas ne pas s'en servir et ne pas y croire. Votre live en arabe était à la fois divertissant. Oh oui, c'était très rigolo. Parler arabe, s'il vous plaît. Et je suis vraiment désolée, madame Yasmine, je ne peux pas parler en arabe. Aussi, ceux qui se connectent juste pour se défouler sur les autres. Et se moquer, mais généralement, ce sont réellement des malades. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Bravo, madame. Je vais vous expliquer pourquoi je répète toujours le mot malade. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serena. Votre version arabe était à la fois plus agréable et utile. Oui, parce que, bon, si vous voulez, on peut très bien reprendre la comédie en français. On apprend les bonnes manières. Oui, les bonnes manières, voilà ce que je cherchais. Voilà exactement ce que je cherchais, madame Hanan. Vous savez, pour moi, sur les réseaux sociaux, où on cherche à vous arnaquer ou vous draguer, pas plus. Expression de politesse avancée. Oui, l'objet. Bonsoir, monsieur Mohamed. Ça fait bien longtemps qu'on s'est vu, que vous n'êtes pas, qu'on n'avait pas assisté à mes lives. Moi aussi, j'ai un peu disparu. Alors, maintenant, on va répondre à monsieur Karim qui a dit il ne faut pas généraliser. Oui, parfaitement d'accord avec vous. Mais moi, je préfère avoir une vie réelle, avoir des amis véritables, avoir des amis authentiques, avoir des amis concrets, si vous voulez. Et ainsi, je me sens normale. Pourquoi je me sens normale? Je vais vous expliquer un truc. Pourquoi ? Je suis tellement heureuse. Oh, merci beaucoup, Sidi Mohamed, c'est très aimable. Alors, on va répondre à certaines questions. Moi, j'ai appris ça d'une thérapeute américaine. Elle donne des questions et elle te laisse réfléchir. Alors, premièrement, pourquoi je vais chercher de nouveaux amis ? En général, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on va chercher de nouveaux amis ? Parce qu'on a un problème de solitude. Alors la solitude, il y a deux types. Il y a une véritable solitude, c'est-à-dire que tu es seul, comme Tom Hanks dans le film de Castaway, c'est le monde. Donc tu es réellement solitaire, tu es seul. Soit que tu as beaucoup de connaissances, mais tu te sens seul dans ton petit cœur. Tu as l'impression que tu n'es pas compris. Alors il y a deux termes ici. C'est le monde. Tu es drôle en arabe. Alors, là, on va bien s'arrêter, on va ouvrir une petite parenthèse. Pourquoi tu te sens seul ? Est-ce que tu te sens seul
ou bien tu te sens pas compris. On va faire sortir autre chose. Fais très attention, on est dans la chirurgie émotionnelle. Hein. C'est quoi le nom du film? Je pense que seulement en français, je pense en anglais Castaway. Moi, je l'ai vu en français. Alors, je vais vous poser une question. On est tous des êtres humains, ok? On est tous des êtres humains. On n'est pas des animaux. Et même les animaux ont des sentiments, ok? Ils ont même des psychiatres dans les pays développés. Je sais que vous allez être étonnés. Donc, on est tous des êtres humains et il y a des sentiments, des sensations qui sont normales. D'accord? Mais quand ils sont, quand ça dure, quand c'est prolongé dans le temps, ça fait souffrir. Alors, il y a des choses qui font souffrir. Je vais les citer et je vais vous demander est-ce que vraiment ça fait souffrir ou pas. Alors, premièrement, la solitude. Je sais qu'il y a une solitude qui est très bénéfique. On a besoin de certaines périodes de solitude bien faites, organisées, par exemple pour se rapprocher du Dieu, pour bien se connaître. Il y a même une intelligence intrapersonnelle. Il y a des gens qui ont de l'intelligence intrapersonnelle. Quand ils sont seuls, vraiment, ils évoluent d'une manière extraordinaire. Ok ? Alors, est-ce que la solitude fait mal ? Oui ou non ? Oui. Donc, vous êtes une personne normale. Les gens qui pensent que c'est oui, ce sont des gens normaux. Vous devez être fier de vous. Je vous jure sur la vie de ma mère. Si vous avez répondu oui dans votre tête, sans même écrire, si vous avez répondu oui directement, sans réfléchir, eh bien, cela veut dire que vous êtes normaux. Très bien. On va parler d'un autre sentiment. Parce que tout ça, moi, j'ai remarqué chez mes patients, surtout les adolescents avec qui je travaille, et ce sont eux, ce sont les cas que je traite dans mon cabinet de dépendance au tabagisme, beaucoup de choses, qui m'ont motivé à faire cette recherche sur les réseaux sociaux. Parce que pour traiter des patients, il faut savoir leur mode de vie. Qu'est-ce qu'ils font sur Internet, ok? Des fois, on a besoin d'être seul pour bien réfléchir. Oui, parfaitement raison. D'accord. Alors, je pense que ça dépend de quel type de solitude. Oui, voir vous, maître Hanan. C'est pour ça que, dès le début, j'ai dit, il y a une solitude qui est bénéfique. Mais c'est bien si vous êtes arrivé à ce stade d'avoir besoin d'un petit moment de solitude pour bien réfléchir, c'est-à-dire que vous êtes vraiment bien développé sur le plan personnel. Il y a une différence entre passer du temps entre soi et vivre seul. Oui, bravo. Ça, c'est un très grand sujet. C'est un très grand sujet qu'on va essayer de traiter ultérieurement, tranquillement. Moi, j'aime pas la solitude. En même temps, j'aime pas faire des amis. Très bien. Alors là, il y a un équilibre. Okay ? On a besoin de vivre avec les gens, mais on a besoin de savoir comment vivre avec les autres. Okay ? On a besoin d'apprendre ça. Et quand on est en train d'apprendre comment vivre avec les autres, malheureusement, ce qu'on a appris, on a appris à être bon. Et ça, ce n'est pas de l'éducation. Il faut admettre, il faut apprendre à avoir un équilibre. C'est-à-dire, si je demande à mon fils d'être toujours gentil, d'être toujours obéissant, d'être toujours bienveillant, d'être toujours poli, d'être toujours serviable, d'être toujours... Attention, là, on va commencer à traiter les sujets, la gravité de l'éducation qui est vraiment très, très nocive pour la santé. Quand tu fais apprendre à ton enfant l'altruisme avant l'âge de 7 ans, avant 7 ans, l'enfant ne doit pas normalement apprendre certaines choses, certaines valeurs, comme la générosité, comme l'altruisme, comme l'abnégation. Ça, c'est très nocif, c'est destructeur, c'est autodestructeur. C'est très dangereux de dire à un enfant de 4 ans, tu dois être généreux, tu dois aider les gens. Mon Dieu, mais lui, il n'a même pas de personnalité propre à lui. Sa personnalité est collée sur celle de sa mère. Voilà comment les gens démarrent déjà dès le début par le déséquilibre. Le système de croyance qui est déjà, entre parenthèses, défectueux. Je ne comprends pas pourquoi on crie dans un club. Je ne comprends pas. Il n'y a pas le feu, on crie uniquement quand il y a le feu.
vous devez être social, mais en même temps, faire attention à qui vous vous ouvrez. Oui, il vaut mieux avoir un robot à la place. Non, non, non. Non, non, non. C'est mieux peut-être d'avoir de bonnes connaissances avec qui partager de bonnes choses. Bravo. Et bravo, il faut être sélectif. Ça, c'est beau, ce que vous dites. Alors, il y a des jaloux ici qui ne cessent pas de hurler, mais moi, je suis devenue sourde. Aïe, aïe, aïe. Allez, niveau. Alors, reprenons notre sujet. Dans l'éducation normale, équilibrée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire à nos enfants, mon fils, moi, je t'aime et je vais t'aimer et je vais continuer à t'aimer. Même après ma mort, je vais continuer à t'aimer. Quoi qu'il t'arrive, quoi que tu fasses. D'accord ? Mais il faut apprendre à être un homme, un vrai homme. OK ? L'amour, c'est une chose et ce que tu fais est autre chose. OK ? L'enfer, c'est les autres. Je trouve ça très véridique. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Vous êtes un peu à côté de la dépression. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Non, ça, c'est très douloureux. Je pense que vous avez vécu des histoires ou des aventures avec les gens. Voilà pourquoi. Je vais reprendre son commentaire parce qu'il est très touchant. Il a dit l'enfer, c'est les autres. Je trouve ça très véridique. Il faut être pédagogue. Oui. Alors, monsieur, il s'appelle comment déjà ? Caride. Alors, Caride, je suis désolée pour vous. Hein. Je pense que vous avez vos raisons pourquoi vous avez dit que l'enfer, c'est les autres. Hein. Vous avez vos raisons. Alors, on va pas parler du bipolaire. On est en train de parler de quelque chose de très basique, si vous voulez. Si ça ne vous dérange pas, séparer la personne de l'acte. Alors, bravo, oui. Alors, j'ai trop aimé ce commentaire. Séparer la personne de l'acte. L'enfer, c'est en faire tout simplement toute autre chose à son nom précis. Oui, il faut faire, pour arriver à ce stade, pour appeler un chat, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire le grand ménage du cœur et du cerveau. Ça, c'est magnifique. On avait l'habitude de le faire avec mes abonnés en arabe. On faisait même toute une semaine, nettoyage du cœur et tout, méditation, tout ce que vous voulez. Alors, l'éducation, la bonne éducation, c'est une éducation qui, à la fin, nous donne un individu capable de vivre. Mais malheureusement, ce qu'on touche, nous, au cabinet, c'est quoi ? Et dans les hôpitaux, c'est quoi ? C'est des gens qui sont incapables de vivre avec les autres. Ils ne savent pas comment vivre. Ils disent que les autres, l'enfer, c'est les autres. Ça, je l'ai déjà entendu de plusieurs patients. Ils disent que tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais, tout le monde est arnaqueur, tout le monde est... Donc ça c'est dangereux. Si je garde cette idée dans ma tête va s'exploser. Je ne peux pas survivre en gardant cette idée. Si, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment ? Moi, je l'ai déjà eu hein, quand j'étais très jeune. J'ai réalisé que je ne peux pas vivre avec les autres. Mais j'ai remarqué que c'était à cause de mon éducation. Parce que dans l'éducation, quand tu as reçu une éducation militaire, si vous voulez, et en plus, il y avait beaucoup d'amour, quand tu sors, déjà à partir à l'école, au lycée et tout, tu vas remarquer de la jalousie. Tu vas remarquer que les gens sont jaloux, tu vas remarquer que les gens essayent de te saboter, tu vas à la faculté, bon... Pour ne pas dévoiler beaucoup de choses, j'aimerais vous dire qu'à un certain moment de notre vie, on sort et on découvre le monde extérieur. D'accord ? On n'a pas d'armature. On n'a pas d'armes. On n'a pas d'immunité. On ne sait même pas comment vivre avec ces gens-là. On ne sait même pas. D'où est-ce qu'ils sont venus ? Ils sont venus d'une atmosphère familiale à côté de la plaque. Ce n'est pas uniforme. L'éducation, l'atmosphère familiale, ce n'est pas quelque chose d'uniforme. Partout dans le royaume, ok ? Chacun sa porte de cuisine. Chaque famille a son niveau d'éducation, son niveau culturel, son niveau social, son niveau économique, beaucoup de choses. Donc toi, tu parles haut. Quand tu dis que l'enfer, c'est les autres, pourquoi ? Parce que tu n'as pas d'immunité. Alors je vais te dire juste un seul mot et je pense que tu vas passer une excellente nuit.
l'immunité émotionnelle, premièrement, il faut savoir que quand tu parles avec quelqu'un qui a 50 ans, tu dois toujours garder dans ta tête qu'il a 50 ans d'expérience, 50 ans d'habitude, 50 ans de système de croyance, 50 ans de défaut, 50 ans de qualité, 50 ans. Son corps s'est habitué à faire quelque chose. Que ça soit bon ou mauvais, toi tu sais pas. Il va te montrer une façade, mais ce qui est à l'intérieur, tu peux pas savoir. Pour savoir, tu dois être un psychiatre et tu dois faire plusieurs séances avec lui. Ok? Même le psychiatre ne peut pas tout connaître parce que quand même 30 minutes, une heure n'est pas suffisante pour ou même deux heures n'est pas suffisante pour tout connaître sur mon patient. Ok? Même le psychiatre, il est incapable de bien connaître un patient dès le premier coup. Voilà pourquoi on a besoin de plusieurs séances. Mais si un grand psychiatre, un grand professeur de psychiatrie, nous dit qu'il est incapable de mieux connaître un patient à partir de la première consultation, alors comment toi tu as décidé de juger quelqu'un comme étant honnête dès le premier coup? Comment tu as pu l'inviter chez toi? Comment tu as pu voyager avec lui? Comment tu as pu lui traiter et lui prêter de l'argent? Comment tu as pu signer un contrat avec lui? Comment tu as pu faire l'amour avec lui? Comment tu as pu dévoiler tes secrets? Cela veut dire quoi? Pourquoi tu as fait tout ça? Pourquoi tu as permis de rentrer dans ta bulle? Pourquoi? Parce que tu es incapable de dire non. Parce que tu es incapable d'imposer tes lois. Et pourquoi tu es incapable d'imposer tes lois? Parce que depuis ton jeune âge, tu étais un esclave de tes parents. Point à la ligne. Il y a une éducation où les parents créent des esclaves. Il y a deux types d'esclavage. Premier esclavage, c'est l'agression. L'agression verbale, l'agression psychique. Les menaces, les parents qui menacent, les parents qui sont satisfaits, la punition, il y a une punition non verbale qui est très, 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 très destructrice. C'est quand la maman ne te parle pas, quand la maman est fâchée. Cela torture. Un enfant, il peut très bien faire une crise, il ne dort pas bien de la nuit. Pourquoi? Parce que la mère est fâchée. Mais vous ne devez pas être fâchée contre votre enfant. C'est grave. Moi, je pense que c'est grave d'être fâché. Le pauvre, il a un petit cœur, il a 4 ans, il a 5 ans, il a fait le bêtise, c'est pas la fin du monde. Mais pourquoi tu es fâché contre lui? Tu dois lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça, on aura un individu capable de comprendre et de s'exprimer. Mais toi, tu es un esclave. Ça, c'est de la manipulation, ok? Il y a du chantage, il y a beaucoup de choses. Le chantage émotionnel est vraiment très utilisé de la part des parents qui ne sont pas confiants en eux. Et qui n'ont pas une forte confiance en eux, ok? Qui n'ont pas une personnalité merveilleuse et bien épanouie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dépassés, ils sont incapables de contrôler leurs enfants. Voilà pourquoi ils recourent à des méthodes qui sont très, 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 très destructrices. Alors toi, tu sais que tu as peur de perdre ta maman. Parce que la peur de l'abandon, c'est une grande histoire, ok? C'est cas par cas, on ne peut pas généraliser. Mais, par exemple, il y a des patients qui ont peur de perdre les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont programmés à tout faire pour plaire aux autres, pour plaire à sa maman. Il a appris à tout faire pour plaire à sa maman, pour plaire à son papa, pour plaire à sa petite famille, sa grande famille. Il n'a pas de décision, il n'a pas d'avis. Vous voyez? Donc toi, tu as été programmé pour accepter. Voilà pourquoi tu acceptes tout. Tu acceptes de rester dans une relation toxique parce que tu ne peux pas arrêter. Tu vas avoir un syndrome de sevrage. Comme syndrome de sevrage, c'est comme un enfant qui était en train de, qui avait l'habitude de sucer le sein de sa maman, ok? Et puis on a arrêté l'allaitement directement. On a sevré le petit, ok? Ou quelqu'un qui prenait de la cocaïne et tout d'un coup, on l'a sevré. Il y en manque. Alors, toi, ta maman t'a habitué à faire tout ce qu'elle veut. Ou ton papa t'a habitué à faire tout ce qu'elle veut. Tu es là pour satisfaire.
tu crois que tu es responsable de tous les sentiments de tes parents. Et en plus, tu as un sentiment de culpabilité qui ne cesse pas de se répéter, de se reproduire. Alors là, c'est la catastrophe. Donc toi, tu baignes. À chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose, tu te sens coupable. Et tu te sens même obligé, responsable de tout ce qui se passe autour de toi. Par exemple, tu veux aider. Tu penses, hein, tu sens que tu es obligé d'aider ton ami. Il y a des signes qui apparaissent vraiment à un bas âge. Par exemple, toi, tu es un élève brillant, ok? Et tu as un camarade qui est nul, ok? En général, bon, en principe, personne n'est nul, ok? Mais il a été jugé nul. Et toi, tu as envie dans ton petit cœur de l'aider. Tu penses que tu es responsable. Tu penses que puisque tu es capable de faire quelque chose, tu dois le faire. Alors, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies d'aider ce camarade qui n'arrive pas à avoir 5 sur 20. Et toi, tu fais des cours supplémentaires où tu l'aides et tu consacres, je ne sais pas moi, 2 heures par jour. Tu l'invites chez toi. Tu demandes à tes parents de l'inviter pour l'aider à réussir. Mais pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que tu es obligé de faire quelque chose? Non. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose. Tu ne le fais pas. Mais qui est-ce qui t'a appris d'être là et d'être esclave de tout le monde? Eh bien, ce sont tes parents. Il y a plusieurs mécanismes. Il y a des enfants. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer sur le champ parce que ça demande beaucoup de temps pour la développer. Vous savez, il y a des enfants qui ont été responsabilisés à un bas âge. Et on appelle les parents les voleurs de l'enfance. Les parents voleurs de l'enfance. Ou voleurs d'enfance. C'est-à-dire que toi, au lieu de vivre ton enfance tranquillement, au lieu de faire tout ce que les enfants ont besoin et ont envie de faire, on t'a privé de cette envie, on t'a privé de ce plaisir. Parce que le plaisir, ça dépend de l'âge. Hein. Moi, quand j'avais 4 ans, mon plaisir principal, c'était de jouer. Voilà. Jouer, être chouchouté, regarder les dessins animés, c'est tout. Hein. Chanter, danser, voilà. Le plaisir, ça change, ça dépend de l'âge. Alors, imagine quelqu'un qui t'a privé du plaisir de l'enfance. C'est catastrophique quand même. C'est catastrophique. Ne me dis pas non, maintenant j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, je pense que c'est du passé, je l'ai oublié. Non, on n'oublie rien, le corps n'oublie rien. Le corps n'oublie rien et quand il l'oublie, il s'explose. Autrement, c'est-à-dire tu peux avoir une zona, tu peux avoir un psoriasis, tu peux avoir une colopathie fonctionnelle inguérissable, ok? Ça c'est le summum de la médecine 5 étoiles que je suis en train de traiter, hein? Vous voyez? Alors, tout ça pour vous dire que les psychiatres sont des chirurgiens. Ce sont des spécialistes en chirurgie émotionnelle. Tu ne dois jamais être traité par quelqu'un d'autre sans l'avis de ton médecin psychiatre. C'est-à-dire, si tu viens chez moi, médecin généraliste, je vais t'examiner, je vais te demander les bilans dont tu as besoin, je vais faire demander les radios ou je ne sais pas moi, et puis je vais traiter tout ce qui est physique, tout ce qui est psychique urgent, je vais t'orienter chez ton médecin psychiatre. Le médecin psychiatre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui est responsable de cette chirurgie émotionnelle. La chirurgie, c'est quoi? Je me rappelle très bien, il y avait un professeur qui m'a dit, la chirurgie, c'est l'exposition. C'est-à-dire, quand tu opères, tu dois bien voir les organes. Tu dois explorer organe par organe. Tu dois bien voir. Si tu ne vois pas bien, ce n'est pas de la chirurgie. La chirurgie, c'est l'exposition. On ne peut pas ouvrir quelqu'un par la suite et le fermer, lui dire par la suite « Ah non, je pense qu'il y a une rupture, il y a une perforation, machin. » Ok ? J'ouvre, j'observe, je découvre, j'explore. Le psychiatre, il a le droit de faire plusieurs consultations juste pour découvrir et pour décortiquer et pour déverrouiller, pour décoder, pour déchiffrer tout ce que tu as dans ton petit cœur et dans ta mémoire et dans ta zone d'ombre. Si tu ne permets pas à un psychiatre d'accéder à tout ça, tu ne peux pas guérir. Et si tu accèdes à quelqu'un d'autre de faire ça, tu vas souffrir. Pourquoi? Il y a un problème d'asepsie. Alors, je vais lire vos commentaires et on va
aborder le sujet de l'asepsie, qui est le sujet principal de ce live concernant la chirurgie émotionnelle. Comme toute chirurgie, il faut qu'il y ait une asepsie, c'est-à-dire pas de microbes, pas de germes, pas de contamination. Ok ? D'accord ? Très bien. Alors, dans la chirurgie émotionnelle, c'est-à-dire en psychiatrie, c'est quoi le problème ? Dans la chirurgie opératoire, où on fait des opérations invasives et tout, des actes invasifs et tout, il ne faut pas qu'il y ait de problème infectieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise des outils, des champs stériles, des gants stériles, casettes, tout est stérile, ok ? À usage unique. Bon, les champs, ça, on peut les stériliser ultérieurement. Et puis, on fait le lavage chirurgical des mains et des avant-bras, d'accord ? C'est-à-dire, pendant plusieurs minutes, ok ? On lave les mains pendant plusieurs minutes et on stérilise. C'est très, 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 très stressant, parce que moi, j'ai déjà été aide opératoire durant mon cursus. Et ce que j'ai remarqué, au début, c'est vraiment stressant, parce que tu as peur, hein, tu as peur de commettre une erreur, tu vois, vous voyez ? Alors, en psychiatrie également, c'est la même chose. On a peur de contaminer. Contaminer par quoi ? Alors là, je vais vous citer les choses que moi, j'ai trouvées chez les victimes de certains thérapeutes qui font du n'importe quoi et qui font souffrir les patients. Je vais vous rapporter quelque chose de vrai. Hein. Par quoi vous avez été contaminé lorsque vous avez permis à un thérapeute, hein, bon, je dirais thérapeute, je mets point. Peu m'importe, l'essentiel, c'est que ce n'est pas un médecin. Quand tu permets à un thérapeute d'accéder à ton petit cœur, tu es en danger. Point à la ligne. Tu vas être contaminé. Il ne s'est pas bien lavé les mains. Il n'a pas utilisé des champs stériles. Il n'a pas utilisé des outils stériles. D'accord ? Mais contaminé par quoi en chirurgie émotionnelle ? Je vais vous dire tout de suite. Alors, je vais lire vos commentaires. Excusez-moi, j'ai tardé pour lire. Il y a aussi des vidéos sur votre chaîne dans ce sens. Oh oui, il te donnerait l'énergie, madame. Très peu de gens sont rationnels. À un certain moment, tu peux plus. Oui, il faut maîtriser l'art de l'intelligence sociale. Oui, on doit apprendre ça dès notre jeune âge. Comme ça, on sera. Si on travaille sur l'intelligence émotionnelle, je pense qu'on va même réduire le taux de crime ou de criminogénèse. Il y a toujours ceux qui sont méchants gratuitement. Oui, oui. Parce qu'ils ont souffert durant leur enfance. Pour vivre avec tout type de gens, oui. Je fais un grand effort. Et c'est très coûteux. Et vraiment, ça demande un grand effort, une grande énergie pour apprendre à comment répondre aux gens. Alors, pouvez-vous imaginer ? C'est-à-dire que je fais une formation pour apprendre à comment répondre dans telle situation. C'est tellement bizarre, mais c'est tellement vrai. Hein. Bah, je partage ça avec vous pour vous dire que c'est pas facile. Parce que quand tu dis à quelqu'un que c'est pas facile, que ça demande du temps, ça le rassure, ça lui donne plus confiance en lui. Et il se dit, ah oui, la doctoresse a trouvé une difficulté pour apprendre à bien vivre avec les gens. Elle a fait un grand effort, elle a appris. J'ai même une liste de réponses préétablies. Une liste préétablie, hein, réponse préétablie. C'est-à-dire, tu me poses un truc, je te réponds sur le champ. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un effort avant. C'est comme si je fais un diplôme. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Bon, comme ça, vous allez dormir tranquillement. Vous allez vous dire, moi, je ne suis pas idiot. Je ne suis pas stupide. La doctoresse a déjà eu des difficultés pour répondre aux gens. C'est-à-dire que moi aussi, je suis normale. Je suis comme elle. Comme elle, il y a longtemps. D'accord ? Ça rassure. Hein ? On a besoin d'apprendre qu'il y a des gens comme nous ou qu'il y a des gens qui sont passés par les mêmes stations que notre situation actuelle. C'est tout un bagage d'un demi-siècle. J'adore ce domaine-là. Il faut forger sa personnalité pour pouvoir affronter l'extérieur. Bravo, il faut forger sa personnalité.
on a besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de soutien. Et les parents doivent comprendre que les petits ne sont pas des esclaves, ne sont pas des poupées, ne sont pas... Tu possèdes pas tes enfants, ok? Les enfants sont des créatures merveilleuses qui sont là pour rendre la vie magnifique. On partage notre vie avec nos enfants, notre jeunesse avec nos enfants, et ultérieurement, on va partager notre vieillesse avec eux et partager nos expériences avec eux, ok? Il faut avoir cette culture de partage et de plaisir et d'arracher les bons moments. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne cessent la culture des misérables, hein, ce que je déteste moi. Ils font tout pour se marier, ok? Et une fois mariés, ils font tout pour avoir des enfants. Et une fois ils ont des enfants, ils font tout pour... Ils ne cessent pas de souffrir, ils ont cette méthode de... Ils conditionnent leur plaisir, leur joie à un but. Tout le monde veut arriver au sommet, mais le plaisir se trouve dans l'escalade. Ok ? Alors, l'étude de l'énergie, très peu de gens sont rationnels. Et à un certain moment, il ne faut plus. Oui, parfois, Allah Smihna recourt aux manières dont ils ont été éduqués par leurs enfants, par leurs parents. Et on voit un exemple. Oui, oui, parce qu'ils ont ce système de croyance familiale, ces convictions. Alors, voilà, un mot que j'aime beaucoup, ce sont les convictions. Pourquoi tu es déprimé, tu resteras toujours déprimé. Pourquoi tu es schizophrène et tu as du mal à vivre tranquillement? Parce que tu as des convictions erronées. Tu as des croyances erronées que tu as héritées. Et il faut discuter ça avec des professionnels de santé neutres. Il faut avoir des références. Voilà pourquoi je ne me rappelle pas très bien quand est-ce qu'on a traité le sujet de référence dans le jugement, je pense. Par exemple, il y a des gens, des musulmans, qui ne connaissent pas l'islam, qui n'ont jamais fait de recherche sur l'islam, et qui ont des convictions et qui ont des croyances qui ne sont pas vraies, qui n'existent pas dans l'islam. Okay? Alors ça fait souffrir. Parce qu'à un certain moment, il te dit, moi je vais devenir athée, moi je ne veux plus rester musulman, parce que l'islam est très difficile, parce que les musulmans ne sont pas honnêtes. Mais il ne faut pas juger l'islam en se basant sur le comportement des musulmans. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Chacun représente sa personne. Okay? Personne ne représente l'islam. Okay? L'islam, c'est une religion et les musulmans sont des gens, des êtres vivants. Point à la ligne. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des cas pareil. Et puis, je les ai orientés, bien sûr, chez le spécialiste et tout. Mais sinon, dans le suivi, vraiment, ils se sont améliorés rapidement, même s'ils ont parcouru des années en prenant des antidépresseurs et tout, et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont des convictions qui sont pas vraies, qui sont erronées, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et moi, j'ai dû même faire une recherche, et je suis en train de la faire, j'apprends. Je suis en relation avec en contact avec des savants en islam et tout. Pourquoi? Pour aider mes patients. Donc à chaque fois quand il me dit quelque chose, je l'oriente, je lui dis si vous êtes musulman. Moi je suis médecin, je suis doctoresse, je n'ai pas étudié l'islam. Donc qu'est-ce que vous devez faire normalement? Vous devez recourir à des gens qui connaissent très bien l'islam et ils vont vous rendre un grand service. Et moi je ne peux pas. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on fait une petite répartition à chacun ses tâches. Moi, je fais de la médecine et toi, tu as un problème qui te rend mal à l'aise, ce que tu ne comprends pas. Tu as des convictions erronées par rapport à ta religion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le professionnel dans l'islam, dans la religion, traite le sujet ou la partie religieuse en rapport avec tes croyances. D'accord? Alors, ça, c'est bon. Je m'excuse, je vais devoir partir, je suis vraiment désolée, je suis fatiguée. En plus, ce matin, j'ai dû me déplacer pour choisir le carrelage de ma nouvelle maison. Et c'était très fatigant. Je peux pas vous cacher, je ne savais pas que c'était très fatigant de,
de déménager, de préparer sa maison et tout. Je partage ça avec vous parce que je vous aime. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que je vais essayer de traiter avec délicatesse les sujets qui vous intéressent. Et si vous voulez, ultérieurement, je vais permettre aux gens de laisser des commentaires uniquement sur YouTube. Comme ça, je ne serai pas dérangée. Parce que pour l'instant, je ne peux pas lire les commentaires des gens. Je suis en phase de convalescence électronique, si vous voulez. C'est-à-dire que la convalescence, en général, c'est une étape qu'on passe après une opération, après une hospitalisation assez lourde, par exemple en réanimation. Alors moi, j'ai passé 3 ans de live. Je pense que j'ai besoin d'une bonne phase, d'une bonne période de convalescence. Si vous permettez, bien sûr. Hein. C'est bon courage pour l'aménagement de votre nouvelle. Oh, merci beaucoup, maître. Vous êtes très aimable. Ça fait plaisir d'avoir des abonnés comme vous. Alors, à la prochaine, Inch'Allah.